bienvenue au cœur des musées départementaux. Vous êtes ici au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Je suis Lola Graya, chargée de l'action culturelle. Et je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue pour cette visite guidée. Le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye fait partie du réseau des 11 musées gratuits du département. Et il est installé au cœur de l'un des plus beaux villages de France, le seul en Isère. Nous sommes ici au centre d'un ensemble architectural, l'abbaye de Saint-Antoine, qui tire son histoire dans le Moyen-Âge avec la construction de cette église que vous apercevez derrière moi. Le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, lui, se déploie dans plusieurs bâtiments et vous pouvez retrouver à la fois des parcours permanents et une exposition temporaire annuelle. Aujourd'hui, je vous présente le parcours permanent Parfum d'Histoire du soin au bien-être. Suivez-moi. Vous êtes ici dans les anciennes écuries des hospitaliers de Saint-Antoine, construites au XVIIe siècle, et où le nouveau parcours Parfum d'Histoire du soin au bien-être s'est installé fin 2022. Dans cette exposition, on vous propose de redécouvrir l'histoire du soin et de la médecine à travers le parfum et les odeurs, puisque c'est une histoire conjointe, en fait, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Cette exposition a vu le jour grâce au commissariat scientifique d'Annick Le Guerrer, qui est une historienne spécialiste des odeurs et du parfum, anthropologue, qui travaille avec le musée, et Géraldine Mosselin, qui est la directrice du musée. Et elle a aussi vu le jour grâce au soutien de l'entreprise IFF, qui a conçu les différentes odeurs des différents parfums historiques que vous pouvez découvrir tout au long de votre visite. Il était pertinent à Saint-Antoine-l'Abbaye de parler de cette histoire conjointe, jumelle en fait, hein, des soins et du parfum, car les hospitaliers de Saint-Antoine s'illustraient particulièrement par leur connaissance en médecine, en herboristerie également. Je suis ici devant la séquence qui est dédiée à la période médiévale dans l'exposition Parfum d'Histoire. Et c'est vrai que le Moyen-Âge, c'est une ère historique particulièrement riche et dense, où l'essentiel des connaissances médicales est entretenu par les religieux dans les monastères, car ils copient et travaillent sur les manuscrits, ou les textes en tout cas, qui sont hérités particulièrement de l'Antiquité ou des savants arabes. Et donc la pensée antique qui lie l'odeur et le parfum au bien-être, mais aussi au divin, à l'imputrescible, s'oppose à cette idée que la maladie, finalement, naît d'une corruption des chairs, de l'humidité aussi. Donc c'est cette pensée un peu binaire, contraire, qui va travailler en profondeur toute la pensée médicale pendant l'Antiquité, mais également au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on va avoir à la fois des pratiques de soins et de médecine qui vont considérablement évoluer grâce au savoir des religieux, mais également à quelques personnalités comme Hildegarde de Bingen notamment. Mais on a aussi, la société en tout cas médiévale est confrontée à de grands fléaux. Et on pense notamment à la grande peste qui en 1348 sévit. Les médecins à ce moment-là du roi en France vont conseiller de pratiquer de grandes fumigations. Là encore, on retrouve l'odeur, la bonne odeur, qui fait écran à la maladie et aux épidémies. Cette histoire, elle a été très longue et mouvementée, puisque depuis le Moyen-Âge et ensuite la Renaissance et les grandes périodes de la cour parfumée des 17e et 18e siècles, on arrive petit à petit au 19e siècle, qui est le siècle de tous les changements, où véritablement parfumerie et pharmacie, donc parfumerie et médecine, vont se séparer, se diviser en deux branches qui vont rester distinctes, en tout cas jusqu'à ce jour. En effet, au début du XIXe siècle, Napoléon promulgue un décret qui impose aux fabricants de dévoiler les compositions qui sont censées être thérapeutiques. Et donc, nombre de parfumeurs qui vantent les mérites de telle eau miraculeuse vont refuser de dévoiler leurs recettes et rester du côté du parfum.
Donc on assiste à ce moment-là à finalement l'apparition de deux branches distinctes. Le parfumeur qui va être du côté de l'apparence, de la mode, du bien-être, du raffinement aussi. Et de l'autre côté, les remèdes qui vont petit à petit être détachés de toute dimension olfactive. Parallèlement à ça, on assiste au XIXe siècle à l'apparition des molécules de synthèse qui permettent aux parfumeurs, aux chimistes et aussi aux médecins de se passer de matières premières onéreuses, difficiles à obtenir et finalement assez peu stables sur la durée. Grâce aux molécules de synthèse, on va pouvoir avoir des compositions qui vont être parfaitement identiques et qui vont pouvoir se conserver longtemps. On assiste aussi à de véritables découvertes en matière de distillation et de propriétés dans un mouvement en fait parallèle de propriétés thérapeutiques des plantes. Je pense notamment à René-Maurice Gadefossé qui va améliorer les connaissances sur les huiles essentielles et même inventer le terme aromathérapie. Donc au 19e et 20e siècle, on va assister parallèlement à l'émergence du parfumeur artiste, mais également à un renouveau des parfums de bien-être et à une meilleure connaissance des propriétés curatives, thérapeutiques, des huiles essentielles notamment, mais pas seulement. L'ambre gris est une concrétion pathologique qui se forme dans les intestins du cachalot. Il est expulsé par les voies naturelles et flotte sur la mer ou est récolté sur les plages. Parfum d'histoire du soin au bien-être, c'est une exposition qui est interactive et qui invite petits et grands à faire une expérience de visite différente en sentant notamment des parfums historiques recréés pour chacune des séquences que vous pouvez découvrir pendant votre visite. Vous pourrez également découvrir des matières premières que vous pouvez sentir, mais aussi observer, toucher. Écoutez Annick Le Guerrer, la commissaire scientifique, vous parler des découvertes et des grandes explorations qui ont fait naître de nouvelles matières premières sur le marché du parfum et des soins, mais également jouer en devenant apothicaire d'un jour en recréant la célèbre Thériaque. Cette découverte de l'histoire de la médecine et des soins à travers le parcours chronique d'une abbaye. Par exemple, derrière moi, vous pouvez découvrir un très bel albarello qui date du XVIIe siècle et qui est particulièrement imposant par sa taille, mais aussi très riche par son décor. Vraisemblablement, il appartenait à une apothicairie de l'ordre des franciscains. Il est présenté au sein du parcours dédié à la médecine et à la chirurgie dans Chronique d'une abbaye. Visite de parfum d'histoire du soin au bien-être, je vous invite à vous plonger dans la lecture de cet ouvrage écrit par Annick Le Guerrer, commissaire scientifique de ce parcours muséographique et paru aux éditions Snook. Pour compléter cette expérience avec un moment de bien-être, je vous conseille aussi l'infusion divine créée par Stéphane Rossi, herboriste à Grenoble, spécialement pour ce nouveau parcours. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette visite guidée et je vous rappelle que le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère dont l'entrée est gratuite.